Le rapport hystérie au théâtre a commencé vraiment dès les leçons du mardi de Charcot à la Salpêtrière. Sarah Bernard était friande de ces leçons du mardi. Elle y allait pour observer en fait les mimiques des hystériques, la passion. Les femmes se mettaient dans de tels états qu'elles trouvaient ça absolument magnifique. Elles y retournaient régulièrement. Et beaucoup de gens aussi du burlesque, des théâtres burlesques à l'époque, allaient voir aussi les leçons du mardi pour s'en inspirer pour des formes de mimique de burlesque. Donc c'est un lien qui a eu lieu en fait très concrètement avec le théâtre. Et ensuite après avec les surréalistes aussi qui ont voulu s'en approprier, Artaud qui en était évidemment fan. Ça c'est techniquement pourquoi le théâtre est lié à l'hystérie, mais il y a autre chose, c'est que un hystérique, ce qu'il y a d'incroyable avec un hystérique, c'est qu'il va tout le temps changer pour garder le lien avec la personne qui peut le guérir. C'est-à-dire que comme il a enfin une espèce de focale, son corps va en faire des caisses, va continuer de se transformer pour que la personne en face reste devant lui. Donc il y a quelque chose de magnétique et d'animal dans la personne qui est hystérique. Et ça, je trouve que ça raconte vraiment le théâtre. C'est-à-dire que le théâtre, c'est quelque chose qui va pas arrêter de changer, de bouger, de se transformer pour pouvoir garder le lien de cette focale avec les spectateurs. C'est quelque chose qui doit être tout le temps renouvelé. Sans ça, ce serait pas bien. Enfin, ce serait pas intéressant. Et c'est une forme créative de création qui est tout le temps en mouvement et qui est tout le temps en train de chercher un lien particulier qui est entre le regard de est-ce que quelqu'un me maîtrise, est-ce que c'est moi qui maîtrise, qui parle vraiment. C'est ça aussi qui était intéressant dans cette recherche-là, c'est qu'on fait tout évidemment en ouverture au public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quatrième mur. Tout est fait à vue, les explications sont faites à vue, les analyses avec les patients aussi sont faites à vue, les patients ils sont au courant, ils se prêtent au jeu, ils sont face à tout le monde. Et il va y avoir aussi un espèce de jeu de guerre, pas de pouvoir entre les médecins et les hystériques qui finalement vont petit à petit prendre la focale de l'avant et se mettre en avant et tout d'un coup renverser quelque chose dans le rapport de pouvoir entre les médecins et les patients. Et ça, c'est le tour de magie du spectacle.